communes et bien sûr les CPAS sont des acteurs de premier plan en matière de santé, de cohésion sociale et de lutte contre la pauvreté. Pour nous, les réalités de chacun, notamment celles des aînés et des personnes porteuses de handicap, doivent faire l'objet de toute notre attention. Concrètement, l'EPS veut renforcer les actions de prévention et de promotion de la santé, notamment en ce qui concerne les assuétudes et les infections sexuellement transmissibles. Dans toutes les communes, nous voulons multiplier les parcours santé, les chemins de promenade et les infrastructures sportives de quartier. Pour l'EPS, la politique sociale se conçoit dans une logique d'accompagnement et d'émancipation du citoyen et non pas uniquement dans une logique de contrôle. Les socialistes proposent d'accroître le nombre d'abris de nuit et de relais santé pour les personnes en situation d'extrême urgence. Nous soutenons l'entraide alimentaire, entre autres au travers de projets réalisés en partenariat avec les habitants, comme des épiceries sociales, des restaurants sociaux, des frigos solidaires ou d'autres initiatives de lutte contre le gaspillage alimentaire. Pour permettre à chacun de vivre à la maison et de s'y sentir bien, l'EPS entend développer des services d'aide à domicile et soutenir l'adaptation du logement. Ce ne sont là que quelques-unes de nos propositions. Nous en avons beaucoup d'autres.